après l'Euro 2024, avec l'équipe de France, Kylian Mbappé, 25 ans, va enfin s'envoler vers le Real Madrid et découvrir le championnat d'Espagne. Avant d'être reçu, le capitaine des Bleus a d'ores et déjà été salué par ses anciens coéquipiers et par les légendes du club merengue, à l'image de Roberto Carlos. Zinedine Zidane, 51 ans, légende de l'équipe de France et du Real Madrid, s'est également exprimé sur l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid et, selon lui, cela sera du très lourd pour la Casablanca. Il est là, il est en place. Il va marquer l'histoire, et je pense qu'il va dépasser tout le monde, a lâché le Ballon d'Or 1998 au micro de Téléfoot. Après l'Euro 2024, qu'il tentera de remporter avec l'équipe de France, Kylian Mbappé, 25 ans, va enfin débuter sous le maillot du Real Madrid. Lors des récentes réunions avec sa direction, Carlo Ancelotti a insisté sur le fait que Kylian Mbappé n'allait absolument pas être un problème pour l'équipe aussi bien sur qu'en dehors des terrains. C'est déjà le gros coup du mercato estival 2024 même s'il était annoncé depuis plusieurs mois maintenant. Ce lundi, le Real Madrid a annoncé l'arrivée de Kylian Mbappé. L'ancien joueur du PSG a signé pour 5 ans dans son club de cœur. Sur le papier, c'est un gros coup réalisé par le club madrilène qui récupère l'un des meilleurs joueurs de la planète. Mais l'arrivée du Bondinois questionnait surtout sportivement du côté des merengues. Quel rôle donner à l'attaquant français dans une équipe qui performe et qui fait briller ses deux stars Vinicius Junior et Jude Bellingham? À quel poste le faire jouer alors que Carlo Ancelotti a installé une attaque à deux pointes avec Vinicius Junior qui penche à gauche, le côté préférentiel de Kylian Mbappé? Point d'interrogation, autant de questions qui ont eu le mérite d'être posées en interne du côté du Real Madrid. Selon les informations de Marca, plusieurs réunions ont eu lieu, avec notamment la présence de Carlo Ancelotti. Le technicien italien, très investi pour la saison prochaine, a une mission, faciliter l'adaptation de Kylian Mbappé au Real Madrid. Selon les indiscrétions du quotidien madrilène, Ancelotti a été très clair lors de ses réunions, il n'y aura aucun problème. Comment un joueur qui marque un but par match va-t-il poser problème, a lancé Carlo Ancelotti lors de ses réunions avec sa direction. Plus globalement, la direction n'a jamais douté de l'apport de Kylian Mbappé, et son transfert au Real Madrid était certain. Marca ajoute que du côté de Valdebeba, on ressent beaucoup de joie à l'idée de voir évoluer Kylian Mbappé sous les couleurs madrilènes. La direction sait, par contre, qu'elle va devoir gérer le climat autour du joueur et les nombreuses critiques. Mais le club n'a aucun doute sur sa capacité à résister à la pression et à s'entendre avec Bellingham et Vinicius Junior. Le Real Madrid estime aussi que Carlo Ancelotti est l'entraîneur parfait pour gérer le cas Mbappé et que tout sera réuni pour que Kylian Mbappé performe rapidement sous les couleurs blanches du Real.